École Boulle est constituée de 5 filières. La filière métier d'art de l'École Boulle a surtout été créée, disons, pour rayonner autour du meuble. Donc là, nous trouvons tous les intervenants pour fabriquer ces mobiliers, donc des ébénistes, des menuisiers en siège, des sculpteurs. Puis après, nous pouvons dériver sur le décor, donc la monture en bronze, la ciselure, la gravure, etc. Les élèves qui sont donc en métier d'art ont choisi en entrant une spécialité, ébéniste par exemple, mais ils doivent, au cours de leur cursus, faire des ateliers complémentaires. Donc l'ébéniste ira faire de la finition de meubles, ira faire de la sculpture, etc. Et chacun, disons, arrive à croiser ses spécialités. L'École Boulle a été créée en 1886, un moment difficile, un moment d'une crise de l'apprentissage. Et en fait, ce sont les républicains, au travers de la ville de Paris, qui vont mettre en place cette école pour essayer un petit peu de contrer d'autres types de formations existantes, comme par exemple la formation faite par les ecclésiastiques, et puis la formation corporatiste qui est faite dans les ateliers par des professionnels, par des ouvriers d'art ou des patrons. L'École Boulle va proposer un enseignement général, c'est-à-dire un enseignement de matières telles que le français, l'histoire, les mathématiques, etc. Et puis, à côté de ça, un enseignement pratique et un enseignement artistique. Donc un enseignement très complet, qui est complètement en fait, différent de ce que l'on connaît jusqu'à présent. Donc elle innove au travers de cet enseignement pour former des ouvriers complets, des ouvriers intelligents, capables de relier la main à l'esprit, en fait. On voit la définition d'un nouvel homme. On pourrait même parler d'un rapprochement, une sorte de concrétisation du dessin de Diderot et d'Alembert lorsqu'ils avaient produit l'encyclopédie au XVIIIe siècle. C'était une sorte d'artisan omniscient, maître complètement de son métier dans toute la dimension du terme, pas seulement pour fabriquer les choses, mais aussi pour aller plus loin, pour être capable de créer, pour être capable d'organiser, pour être capable d'être concurrentiel. C'est le concept d'artisans citoyens. L'École Boulle se doit de former les concepteurs de demain. Donc nous ne formons pas des artisans, puisque nous sommes là en bac plus 2, voire après bac plus 4. On forme surtout des cadres. C'est pour ça qu'un élève qui va choisir une section de gravure, donc effectivement pendant son cursus il va faire de la gravure, mais après quand il va aller travailler, disons chez Cartier ou ailleurs, là il sera dans un bureau de création, il fera des maquettes, ce sera surtout son travail. Il ne sera plus à l'établi.
paraît très très important qu'un créateur sache comment réaliser un objet, parce qu'il y a des tas de subtilités, des tas de choses qui ne peuvent pas se mettre en œuvre techniquement s'il n'y a pas une connaissance de base. L'école Boulle forme des créateurs, mais tout en gardant quand même le côté artisan en arrière-plan. Je pense qu'il y a une qualité de travail qui reste toujours pour le bouliste qui se respecte. Je pense que le côté bien fait et la pureté des lignes, la beauté de l'objet prime avant tout. La main transforme l'idée.